Bonjour, on commence ce bulletin avec notre animation satellite pour aujourd'hui. On aura le passage d'un flux de sud-ouest assez fort hein, qui intéressera les régions nord, tournant à ouest à partir de demain avec le passage d'une onde qui intéressera l'ouest du pays à partir de cette soirée. Et puis cette onde va évoluer vers le centre et l'est à partir de demain. On notera une baisse de pression sur la moitié nord, pression moyenne sur la moitié sud. Donc, pour cet après-midi, eh bien, on notera un ciel plutôt voilé hein, sur l'ensemble des régions nord, avec des passages nuageux à partir de cette soirée, d'abord vers la partie ouest et puis le centre à partir de cette nuit, avec parfois quelques faibles pluies sur les régions sahariennes. On notera beaucoup de soleil tout au long de cette journée sur le Nord Sahara, la Saoura, le Sahara central, encore l'extrême sud. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera une petite hausse du mercure, avec sur la moitié nord 28 degrés à Guelma, 26 degrés à Alger, Tizi Ouzo, on notera 27 à Constantine, 25 degrés à Al-Bayad, Nahama, 27 du côté de Tlemcen, 30 degrés à Béchar, Ghardaya, 33 degrés à Hassim Saoud, 35 à Ilissi, Adrar, Ain Salah, et enfin 40 degrés, ça sera la maximale pour l'extrême sud. Les températures de ce soir et pour demain matin, eh bien, elles varieront près des côtes entre 11 et 14 degrés, entre un minimum de 6 degrés à Tiaret, 8 à Al-Bayat, 15 degrés à Béchar, 18 degrés à Ghardaya, on notera 14 degrés à Tindouf, 21 degrés à Adrar, 19 à Ain Salah et enfin 22 degrés pour l'extrême sud. Place tout de suite à l'éphéméride. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 18h49. Les nouvelles du ciel continuent sur le site de Météo Algérie, les 3w.météo.dz. Très bonne journée avec la suite de nos programmes et à ce soir.